Saint-Esprit, pour ta visitation et ta grâce. Nous te bénissons. Merci, c'est toi qui conduis encore ces instants de parole, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Saint-Esprit, c'est toi qui commences à préparer les cœurs, c'est toi qui touches les cœurs et qui rends les oreilles attentives à ce que tu déclares à l'Église. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous te bénissons et te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. 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 Donc, bienvenue à tous, ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui nous regarderont sur Internet. Parce que la bénédiction n'est pas simplement pour l'Église, mais sur Internet, à travers tous les différents coins du monde. Amen. Dieu est le même partout. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé à enseigner la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé d'un don de l'Esprit qui est le don de foi, arme nécessaire pour la vie du croyant. Amen. C'est cette âme qui va aider l'homme et la femme qui est en Dieu à résister à toute œuvre du diable. Amen. La Bible nous dira que le premier degré de la foi, celle qui doit nous faire vivre, qui est différent du don de la foi, et la Bible nous dit cette foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Et nous avons vu ensemble que, à travers l'humanité, quand nous commençons à questionner les personnes qui ne connaissent pas Dieu, beaucoup ont la foi parce que beaucoup de gens croient que Dieu existe sans le connaître. Amen. Mais quand nous commençons à saisir le mystère qui est attaché à la parole de Dieu, nous comprenons que c'est dans le nom de Jésus que nous recevons le salut et que nous recevons l'Esprit Saint promis dans lequel nous pourrons être en communion avec lui. Amen. Comme nous le disons et nous le redirons encore et encore, nous ne cesserons jamais d'exhorter l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance, mais la Bible nous dit qu'il est une personne. Amen. Il est une personne et il a des sentiments. Il y a des moments où on peut l'attrister. Il est une personne à part entière et ce qu'il désire pour l'enfant de Dieu, c'est que tu puisses avoir une communion intime avec lui. Amen. Une communion intime dans laquelle le Saint-Esprit commence à te toucher, dans laquelle le Saint-Esprit commence à transformer ta vie, à transformer ton raisonnement, à transformer ta mentalité, pour t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans une nouvelle dimension et le Saint-Esprit veut aussi conduire l'Église dans une nouvelle dimension. Amen. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a déversé dans l'Église ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Amen. Nous avons vu ensemble la semaine dernière le don de foi. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble le don de prophétie. Amen. Dans un temps où le monde a un style et une manière de vivre qui est en train de détruire l'humanité, le monde vit dans la peur, le monde vit dans l'angoisse, le monde vit dans la crainte, le monde vit dans le mépris, dans la négligence de l'autre, dans la supériorité, dans un esprit de supériorité. Le monde vit dans un état de haine qui est en train de détruire l'humanité parce que chacun a peur de ne pas réussir, alors il est même prêt à voler à l'autre, à voler à son prochain, à mentir, à toutes ces choses-là qui déplaisent à Dieu. Amen. Voilà la mentalité de l'humanité aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'humanité est dans une phase de d'autodestruction par cette mentalité. Amen. Et bien souvent, quand nous venons de nous convertir,
nous avons été affectés pendant des années à ce style de manière de vivre, à cette mentalité. Amen. Et le problème, c'est que, arrivé dans l'église, Dieu nous demande des choses nouvelles. Et là, nous n'arrivons pas toujours à comprendre et à discerner ce que Dieu veut, parce que notre mentalité a été corrompue par toute une manière de vivre qu'on nous enseignait. Amen. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, dans sa grâce, amène ce qu'on appelle les dons de l'Esprit pour la transformation et l'édification de l'Église. Amen. Et le don de prophétie est un don qui est très spécial parce que ça change la mentalité et le raisonnement de l'Église. Amen. Ce n'est pas un don de voyance comme les gens pourraient croire, mais c'est un don de transformation. Amen. Le don de prophétie est un don de transformation qui change l'état de pensée, la manière d'agir d'une église et de l'église corps de Christ. Amen. Parce que regardez, nous allons lire ensemble dans la Bible. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 14, verset 1er, la Bible nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Amen. L'Église a besoin de voir d'une manière nouvelle. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, hier, a commencé à me parler, il m'a dit, je veux mettre une nouvelle façon de penser et d'agir dans l'Église par le biais de ce don-là. Amen. Parce que la prophétie a trois caractéristiques spécifiques. La Bible nous dit, la prophétie édifie, la prophétie exhorte et la prophétie console. Amen. Un des points les plus importants de la prophétie, c'est l'esprit de consolation. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est appelé le consolateur et qu'il est l'esprit de la consolation. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'à travers l'humanité, l'homme souffre. Dieu savait que le diable, son but a été de détruire l'humanité et de faire souffrir l'homme. Et chaque être humain sur la terre a son degré et son niveau de souffrance. Amen. Et quand les hommes commencent à venir à l'église, la première des choses qu'il a besoin, c'est d'une consolation. Amen. Parce que dans le monde, on nous a pris le mépris, la haine. Celui qui n'est pas fort, on l'a laissé de côté. On l'a abandonné. On l'a méprisé. Mais Dieu veut venir changer les mentalités de l'Église en venant apporter la consolation. Amen. Un esprit d'exhortation pour que nous puissions encourager les uns et les autres, ceux qui ont peut-être pu tomber, ceux qui ont pu chuter, pas les juger, mais les encourager à revenir sur le droit chemin. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir quelque chose de nouveau qui dépasse l'humanité. Amen. Le monde a besoin de consolation. Le monde a besoin d'encouragement. Le monde a besoin d'un édifice solide sur lequel il puisse tenir. Et cet édifice, la Bible nous dit que c'est Jésus le fondement de toute chose. Amen. Toute base solide se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom dans toute la surface du monde qui a une base solide comme le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit qu'il est notre roc. Qu'il est notre roc. Il est ce roc sur lequel nous bâtissons notre demeure. Amen. Et dans ce monde où tout s'écroule comme un château de sable, l'Église va commencer à briller et l'Église va commencer à montrer les directions dans le monde. Amen.
Je crois fermement que dans ce pays de France, l'Église va commencer à donner des directions dans les gouvernements. Amen. Les gouvernements ne savent plus vers où aller. Mais la Bible nous dit que quand nous commençons à nous placer sur la parole de Dieu, Dieu commence à tout transformer. Amen. Et le Saint-Esprit, voilà ce qu'il veut faire. Il veut t'utiliser pour édifier, exhorter et consoler. Amen. Édifier. Nous devons être édifiés pour être solides sur le fondement. Voilà à quoi sert une parole prophétique. Amen. Pour pouvoir être édifié et consolidé sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. Toute prophétie, la Bible nous dit, est concrétisée par la parole de Dieu. Amen. Et quand nous recevons une parole prophétique, c'est pour premièrement nous édifier sur le fondement qui est Christ, nous exhorter à aller de l'avant et nous consoler là où nous avions eu des offenses, là où nos cœurs étaient lourds, là où nos cœurs étaient découragés, là où nous ne savions plus qu'est-ce que nous devions faire. Amen. Voilà le but et le rôle de la parole prophétique qui est un don dans l'Église. Amen. Ce don, l'apôtre Paul, regardez ce que l'apôtre Paul dira. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen. L'apôtre Paul dira que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi ? Il ne voulait pas amener des échelons dans le monde spirituel. Mais celui qui prophétise devient serviteur de son frère et de sa sœur. Amen. Quand nous voyons une personne qui souffre, et quand nous commençons à consoler cette personne, nous devenons serviteurs de cette personne. Amen. Et la Bible, Jésus dira à ses disciples que celui qui veut être grand parmi vous devienne le serviteur de son frère. Amen. Par cela, ce que l'apôtre Paul a déclaré dans la Bible a été confirmé. Parce que celui qui prophétise devient le serviteur de son frère ou de sa sœur. Amen. Celui qui amène son frère ou sa sœur à s'édifier sur le fondement qui est Christ, qui l'exhorte, qui l'encourage et qu'il amène dans la consolation par le Saint-Esprit, celui-là devient plus grand. Amen. Pas qu'il devient plus grand en force, mais il devient serviteur. Amen. Amen. Et si nous recevons ces paroles-là, alors Dieu te dit, si tu as reçu gratuitement, c'est à ton tour aussi de donner gratuitement. Amen. Autour de nous, nous avons beaucoup de gens qui souffrent. Autour de nous, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas édifiés. Quand nous voyons le monde actuel, nous voyons que le monde n'est pas édifié sur le fondement qui est Christ. Amen. Mais le monde doit être fondé sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. Et l'Esprit Saint se déverse à travers l'humanité pour que cette réalité devienne réelle. Amen. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir à travers l'humanité. Il est en train de chercher des amis pour qu'il puisse déverser sa puissance, son autorité pour le royaume de cieux et pour que le monde soit fondé sur le fondement qui est Christ. Amen. Le Saint-Esprit veut être notre ami. Jésus a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Vous recevrez la puissance d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit pour être mes témoins en Judée, en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et le Saint-Esprit a déjà été donné. Parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, avant que Jésus monte au ciel, Jésus appelle ses disciples. Et la Bible nous dit, Jésus souffle de dessus, souffle sur eux, et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Amen.
Et la Bible nous dit qu'avant que Jésus remonte dans le ciel, Jésus a enseigné ses disciples pendant 40 jours. Amen. La Bible ne nous dit pas quel a été l'enseignement. Mais la Bible nous montre que 10 jours après que Jésus a été élevé, le Saint-Esprit a manifesté sa puissance et son autorité et le réveil a commencé. Amen. J'aimerais vous dire ce que les disciples ont fait d'un commun accord dans la chambre haute. Ils ont commencé à entrer en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Ils ont commencé à entrer en communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit savait que dans cet état de communion, il devait transformer ce peuple. Il devait transformer ces 120 personnes. Parce qu'il y avait toujours cette mentalité du monde. Nous pouvons voir les disciples quand ils étaient avec Jésus. Certains voulaient être supérieurs aux autres. Quand un malade venait, il disait à Jésus, mais qui a péché, lui ou ses parents? Quand des peuples refusaient Jésus, quand des villages refusaient Jésus, les disciples de Jésus disaient à Jésus, mais fais donc tomber le feu du ciel pour les détruire. Voilà la mentalité, le raisonnement de ces hommes qui se trouvaient dans la chambre haute. Et la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit a manifesté sa puissance, les dons se sont manifestés. Amen. Nous pouvons voir qu'à travers le Nouveau Testament, quand le Saint-Esprit se déversait, il parlait bien sûr en langue, mais aussi d'autres prophétisaient. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit insistait tellement à que les gens commencent à non seulement parler en langue, mais à prophétiser? Parce que le Saint-Esprit sait que c'est dans la prophétie qu'il y a une transformation de mentalité, de raisonnement. Amen. Amen. Apôtre Paul a dit que nous devons nous lever contre toute forteresse qui nous empêche de connaître clairement qui est Dieu. Amen. Et nos mentalités, nos raisonnements, comment on nous a élevés, comment la société a voulu nous concevoir, nous bloquent bien souvent à connaître plus qui est Dieu. Amen. Et les dons de l'Esprit sont là pour non seulement nous parler du ciel, mais pour transformer nos vies. Amen. Le Saint-Esprit veut. Et le Saint-Esprit, pendant ce temps de prédication, est en train de déverser ce don dans ton cœur. Amen. Le Saint-Esprit veut t'amener dans une nouvelle dimension. Vous savez, la Bible nous dit que chaque fois que l'onction descendait dans l'Ancien Testament, quand l'onction commençait à descendre sur David, quand l'onction commençait à descendre sur Saül, la Bible nous dit que leur cœur se changeait. Ils commençaient à devenir un autre homme. Et il prophétisait. Amen. Quand l'onction de Dieu tombe, ton cœur de pierre, ton cœur qui était dur, ton cœur qui était insensible, va être transformé en un cœur de chair. Et tu vas voir de la manière dont Dieu voit. Amen. Voilà la dimension de l'onction et de la présence de Dieu. Amen. La Bible me dit que dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi certains hommes et certains hommes seulement avaient l'onction. Amen. Mais la Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, que l'onction descend sur chacun. Amen. La Bible nous dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils, vos filles, prophétiseront. Pourquoi Dieu commence d'abord par les enfants? Dieu commence par les enfants pour amener une transformation de la mentalité. Amen. Parce que l'enfant n'a pas encore été construit dans une mentalité prédéfinie. L'enfant a encore toute la pureté de Dieu. Amen. Alors pour lui, ce n'est pas difficile de commencer à prophétiser. Parce qu'il voit directement
les choses comme Dieu les voit. Amen. Il dira à vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi Dieu donnera des visions aux jeunes gens? Parce que jeunes gens, Dieu veut vous utiliser et Dieu veut vous donner une vision pour construire votre vie. Amen. Dieu veut donner une vision aux jeunes pour construire leur vie et pour savoir comment diriger notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, dans la jeunesse, on nous propose toutes sortes de choses qui amènent la jeunesse dans une décadence. Amen. Mais Dieu veut relever cette jeunesse. Et Dieu veut donner aux jeunes gens des visions pour savoir comment construire leur vie. Amen. Vos vieillards auront des songes. Amen. Pourquoi Dieu veut donner des songes aux vieillards? Siméon, qui était dans le temple, avait reçu un songe. Et Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Le Saint-Esprit lui dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Amen. Voilà le songe qui faisait vivre ce vieillard. Ce vieillard, Siméon, dans lequel les gens lui disaient, bientôt tu vas mourir. Mais Siméon avait une force. Certains lui disaient, bientôt tu auras Alzheimer. Bientôt tu perdras la tête. Siméon dira, non, je serai en bonne santé et je vivrai tant que le songe que Dieu ne m'a pas donné ne sera pas accompli. Amen. Le Saint-Esprit donne des songes aux vieillards pour donner une espérance de vie, pour savoir à quoi tu vas t'accrocher. Mon frère vieux, mon frère vieille, je ne sais pas comment on dit, mais mon papy, mon ami. Amen. Amen. Mon frère âgé ou ma soeur âgée, c'est plus correct. Dieu veut te donner un songe pour que tu puisses tenir à la vie et pour que tu puisses avoir toutes tes facultés physiques et mentales. Parce que la Bible nous dit que tu vieilliras et que tu seras toujours plus fort. Amen. Tu auras toujours plus de force comme le buffle. Parce que l'onction va t'entretenir. Amen. L'onction va te renouveler. Et le songe va te faire vivre jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Et Siméon, quand il a vu Jésus bébé, quand le Saint-Esprit lui a donné la parole, il a dit à Dieu, Seigneur, maintenant je peux mourir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Mes yeux ont vu Job, alors qu'il était vieux, qu'il était passé par toutes sortes de difficultés, Dieu lui avait peut-être promis des grandes choses, mais il n'avait rien vu. Et alors qu'il continuait à espérer, à croire que les choses que Dieu lui avait dites arrivent, tous les malheurs se sont abattus sur sa vie. Il ne savait plus où aller. Il était frappé d'une maladie. On lui avait tout enlevé. Mais il avait reçu un songe de Dieu. Amen. Il avait reçu un songe. Il avait reçu un songe. Et ce songe, c'était que Dieu allait le faire prospérer et faire tout multiplier sur sa vie. Amen. C'est pour cela que quand il a passé tous ses périples, quand Dieu l'a béni et quand Dieu a exaucé sa parole, il a dit à Dieu une seule chose. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Amen. Et la Bible nous parle que après, Dieu l'a béni. Et Dieu a accompli toutes ses promesses dans sa vie. Amen. Dieu veut donner un songe au vieillard pour que tu puisses savoir comment
ce que tu vas voir finalement et qu'après tu peux rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. J'aime entendre des faits comme celle-là, d'hommes et de femmes qui ont vécu une vieillesse heureuse et qui ont dit, Seigneur, maintenant, aujourd'hui, j'ai vu ce que tu m'as dit, j'ai vu ce que tu as promis, ce que tu m'as dit, je peux rentrer aujourd'hui avec joie dans ta maison. Amen. Quelle gloire, quelle joie pour ces hommes et ces femmes d'avoir vu la promesse de Dieu accomplie dans leur vie. Amen. Et le tirail sur mes serviteurs et mes servantes, je ferai des flammes de feu. Amen. Je ferai des flammes de feu. Dieu parlera de tout le reste qu'il n'avait pas encore précisé. Amen. Nous avons besoin de toujours plus grandir. Et c'est dans cette intimité avec le Saint-Esprit que ces choses commencent à se développer dans nos vies. Amen. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit va nous emmener dans cette maturité pour pouvoir saisir et comprendre ces mystères dans nos vies. Amen. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut non seulement déverser l'onction, mais il veut te donner un cœur nouveau. Amen. Un cœur nouveau. Nous ne pouvons pas prophétiser ou déclarer des choses de Dieu avec un cœur dur, avec un cœur qui n'a pas été transformé. Mais nous avons besoin de cette transformation. Amen. La Bible nous dit, l'onction descendait, le cœur changeait et il prophétisait. Amen. L'onction descendait, le cœur changeait et il commençait à prophétiser. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, les apôtres commençaient à baptiser dans l'eau. Ils priaient pour le baptême du Saint-Esprit. L'onction tombait, leur cœur était changé et la Bible nous dit, les dons étaient libérés. Amen. Les dons de l'Esprit étaient libérés. Et beaucoup prophétisèrent. Quand nous regardons dans le Nouveau Testament, beaucoup aussi prophétisèrent. Amen. Et l'Église aujourd'hui a besoin de ce don pour être transformée. Amen. Le don prophétique est une arme de transformation, de restauration, d'édification et de consolation. Amen. Le don prophétique est une arme non pas pour les non-croyants, mais pour l'Église. Amen. La Bible nous dit le signe pour les non-croyants, c'est de parler en langue, mais le signe pour l'Église est la prophétie, parce que c'est dans la prophétie que l'Église devient transformé. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul a souhaité, a désiré que chacun puisse devenir ce genre de serviteur. Amen. Bien des fois, nous voyons des gens qui souffrent, les gens qui sont malades. Encore hier, j'avais un coup de fil avec une sœur qui était malade et qui me disait, mais tu sais, je n'ose même plus parler de mon problème, parce que quand j'essaye de parler de mon problème, on me dit que j'ai des péchés. Parce qu'elle avait une maladie. Amen. Elle me dit, je sais plus comment faire. Et elle commence à pleurer au téléphone. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il me dit, l'Église a besoin de ce don de prophétie pour accomplir une consolation dans l'humanité et dans l'Église. Amen. L'Église a besoin d'être un lieu de consolation ni de mépris. Amen. Et si Dieu n'a pas guéri tout de suite, lui seul sait pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas guérir. Amen. Quand Dieu commence une œuvre, il va jusqu'à l'achèvement.
Jésus lui-même, la Bible nous dit qu'un jour un aveugle est venu vers lui. Et il voulait recouvrir la vue. Et la Bible nous dit que Jésus a posé les mains sur les yeux de l'aveugle. Et la Bible nous dit que quand Jésus lui demanda s'il voyait, l'aveugle disait seulement: je vois pas clair, je vois encore flou. Et la Bible nous dit que Jésus a posé ses mains sur l'aveugle une deuxième fois. Et la Bible nous dit que la deuxième fois, l'aveugle vit clairement. Amen. Jésus lui-même, pour cette personne, a prié deux fois. Amen. Pour que le miracle complet s'accomplisse. Ça ne veut pas dire que la première fois, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que le processus, la guérison a commencé à s'enclencher. Amen. Bien des fois, nous avons pu voir des gens, surtout au début du ministère, en prier pour eux. Certains étaient guéris tout de suite et d'autres, ils étaient guéris à moitié. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient guéris à moitié. Et le Saint-Esprit a commencé à nous enseigner. Il a dit: mon processus de guérison a commencé. Maintenant, il va aller jusqu'à l'achèvement. Amen. Nous avons réellement besoin de cela, de comprendre cela. Et dans la patience de Dieu, dans l'attente de Dieu à nos réponses, nous avons besoin de ce don-là prophétique de consolation. Amen. D'une parole de consolation, d'une parole d'édification, d'une parole d'exhortation. Amen. Voilà en quoi est considéré le don de la parole prophétique. Amen. Et c'est pour moi ce matin un grand honneur et une grande joie de pouvoir partager cela, parce que je sais que beaucoup de personnes vont en être bénéficiaires. Amen. Amen. Tant dans l'église qu'au-delà de l'église. Et nous savons que Dieu n'a pas de limite. Amen. Dieu n'a aucune limite. Mais Dieu aime quand le cœur est transformé. Amen. Dieu veut la transformation du cœur et nous emmener dans une nouvelle dimension. Dans un instant, nous allons prier. Et pendant ce temps, nous allons nous laisser transformer. Nous laisser toucher par sa présence. L'esprit commence à toucher. Des choses nouvelles commencent à t'arriver. Là où tu es, laisse-toi seulement toucher par lui. Le Saint-Esprit est en action ce matin. Le Saint-Esprit est là dans sa présence. Et maintenant, il te touche maintenant. Il te visite maintenant. Il te touche maintenant. Maintenant, ce n'est plus le temps de l'homme. Ce n'est plus le temps où l'homme agit. Mais c'est le temps où le Saint-Esprit agit. Alléluia. Le cœur des pays, la force des pays, ne se trouve pas dans les ressources, ne se trouve pas dans la richesse, mais le cœur des pays se trouve dans l'Église. Se
Le cœur de l'Église a été changé. Le cœur de ce pays est resplendissant. Et si le cœur de l'Église est dur, alors ce pays est dur. En cet instant, le Saint-Esprit commence à toucher et à transformer le cœur de l'Église. Vas-y, je vais lâcher ce cœur de pierre. Et je vais mettre un cœur de chair et un esprit nouveau. Une mentalité nouvelle dans laquelle voici toutes choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Recevez maintenant la touche de lui. Recevez l'onction de la transformation, l'onction de la conquête, l'onction d'une action conquistador, l'onction qui amène un peuple de conquête et de victoire, pour une transformation nouvelle. Recevez maintenant le don de prophétie, dans lequel la mentalité change pour édifier sur le roc qui est Jésus, pour exhorter à aller de l'avant et pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Une nouvelle transformation pour ce pays. Une nouvelle transformation pour les leaders. Une nouvelle transformation pour ton pays, à toi, mon frère, ma soeur, qui nous écoute. Une nouvelle transformation du cœur pour les leaders. Un nouveau raisonnement. Une nouvelle transformation. Une nation de réveil. Une nation de puissance. Saint-Esprit, merci, tu touches maintenant. En cet instant, des maladies sont en train de quitter les corps. Les malades commencent à être guéris. Le Saint-Esprit touche en cet instant. Touche en cet instant. Alléluia. Les douleurs sont en train de quitter les corps. L'esprit de cécité maintenant, esprit de la mort, je te lis maintenant. Dehors tout esprit d'infirmité. Dans le nom de Jésus, recevez son attouchement en cet instant. Le Saint-Esprit transforme ton cœur. Tu sens la présence de Dieu, l'onction de Dieu, pour la gloire de son nom. Voilà comment le Saint-Esprit veut que tu gères ta vie. En regardant sur ton cœur. Amen. Jésus dira, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la vie. Où vient la mort. Amen. Garde ton cœur. C'est dans ton cœur que tu commences à diriger les pas vers ton Créateur. Et chaque fois que l'onction descend, ton cœur est transformé.
la caractéristique de David qui était appelé l'homme selon le cœur de Dieu a été un homme qui non seulement avait reçu l'onction mais se laissait renouveler jour après jour par une onction nouvelle qui transformait totalement son cœur. Et à la fin de sa vie, la Bible me dit que Dieu l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Dans notre communion avec le Saint-Esprit, l'onction est renouvelée. L'onction est renouvelée, c'est comme une huile nouvelle, une huile fraîche. Amen. Nous avons besoin de cela. Nous ne pouvons pas vivre sur l'onction de hier. Nous devons vivre sur l'onction d'aujourd'hui. Amen. Jérémie a dit, ta miséricorde et ta bonté n'est pas finie. Et se renouvelle chaque matin. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande, d'être chaque jour renouvelé par l'onction. Quand nous louons Dieu, nous sommes remplis de l'Esprit. Mais ensuite, quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit, ce qui nous renouvelle, une onction nouvelle, une puissance nouvelle pour aller de l'avant. Amen. Et dans cela, nous allons voir que notre cœur va être transformé et les dons de Dieu vont commencer à se multiplier. Amen. Les songes, les visions. Amen. Pour la gloire de son nom. Maintenant, nous allons continuer à prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu connais toute personne, tant dans l'église que sur le net. Que tous ceux qui vont voir cette vidéo. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais leur attente. Peut-être qu'ils sont souffrants, les docteurs ont déclaré certaines choses sur leurs proches. Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant, tu vois, Saint-Esprit, tu touches. Tu vois pour accomplir le miracle, pour accomplir les guérisons, pour ouvrir les portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui, pour donner des nouveaux projets, des projets de paix, de bonheur et non de malheur, pour donner un épanouissement pour la gloire de ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, tu touches en cet instant. Merci, Père Céleste, pour ta gloire. Merci pour ton amour et pour ton esprit qui vient conduire et diriger l'Église. Je te loue, oh Dieu, de ce que tu as fait de nous, des créatures si merveilleuses par la bonté de toi. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Là où le diable a voulu venir en maudissant, nous détruisons cette malédiction et nous proclamons la bénédiction qui vient d'en haut dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ton amour et ta gloire dans le nom de Jésus-Christ.